Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu. The Town of the Light, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! May 4th, 1942, les patients avaient déjà manifesté des intentions suicidaires sans jamais y donner suite. Hier, elle s'est gravement mutilée en se plantant volontairement une paire de ciseaux aiguisés dans l'abdomen. Placée sous sédatif et camisole, transférée en cellule d'isolement. 10 mai, transférée au service des agités pour observation, isolement, insulinothérapie. 25 septembre, bonne réaction au traitement. Elle répond aux questions et se rappelle des événements, mais refuse de les expliquer. Elle déclare avoir des pertes de mémoire des jours entiers durant lesquels elle n'a souvenir de rien. Elle se ment anxieuse et demande du réconfort. Elle pense avoir fait quelque chose de monstrueux durant cette période d'amnésie. En novembre 1942, le patient parle peu, refuse de s'alimenter. Alimenté par sang nasogastrique. 2 février 1943, le manque de kérosène pour le chauffage et nourriture a conduit au décès de nombreux patients de l'établissement. La guerre n'épargne personne, pas même ses aliénés. Dans Boston, son jeune, la patiente est tombée malade à cause du froid et de malnutrition. Il manque la pellicule. Et si personne ne rit, je veux dire que personne ne rit réellement. Pas ces tarés qui rient dans leur démence. Je sais même pas vraiment moi-même pourquoi elles rient. Elles disent que je suis folle aussi, mais moi, je sais jamais en vie. Il fut un temps où les gens riaient de moi, mais ils avaient raison, vous savez. On ne peut pas toujours pleurer et les gens rigolent. Lorsqu'il pleure, n'est-ce pas? Ça vous est arrivé à vous, pas moi, tant mieux. Ils font ça pour montrer qu'ils sont chanceux, eux, tu ne dois pas en rendre ombrage parce que c'est vrai. Et qu'au fond, c'est comme la pitié, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, tu repenses à la situation, tu rigoles en te disant que tu as la chance, que tu vas t'arranger, que tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde, cet endroit. Vous n'essayez même pas de reprendre. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, d'éduqué, pas comme moi. Et si moi, je veux voir toute cette merde, alors vous devez forcément en être encore plus conscient. Non, allez, non, 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 je suis bien ici, après tout.
Je veux faire ce que je veux, dire ce que je veux. Hey, ce téléphone-là. Téléphone, je le vois pas. August 28, 1942. Nous vous informons du décès d'Ada, mère de René T., patiente de l'Institut. Aucun proche parent connu. Cordialement, Onofrio. Je n'ai plus personne dans ma vie, plus personne. La solitude est étrange, elle étouffe et ralentit tout. C'est un cri sans fin qui ne fait pas de bruit. Un hurlement silencieux. Je n'arrive plus à détacher mon regard de moi-même. Je ne quitterai plus jamais cet endroit. Personne ne m'attend dehors. Ces murs sont devenus ma peau. Mon âme muet, gorgée de la misère et du désespoir. Ici, on ne pleure plus désormais. Pourquoi voudrais-je ressentir la vie, le désespoir, la colère? Je n'arrête pas de rêver, peut-être même de réfléchir. Je suis nourri d'une réalité qui m'arrange, privé de tout, même de ma capacité de ressentir la douleur. Bon. J'espère que ça... Mai 1943. René est en bonne santé, elle mange et parle. Elle ne présente pas de signes de désorientation spatio-temporelle. Thérapie suspendue. 3 décembre. Elle demande si elle est en état de sortir de l'hôpital. Évaluée par la patiente pendant 6 mois. 2 mai 1944. Autorisation de sortir refusée en dépit d'un avis psychiatrique favorable. La patiente n'a ni foyer ni moyen de subsistance. Ah bah ouais.
4 mai. On lui a expliqué pourquoi son autorisation de sortir avait été refusée. C'est ainsi qu'elle a appris la mort de sa mère, survenue 2 ans plus tôt. Pendant la nuit, elle essaie de se pendre avec ses draps de son lit, sauvée grâce à l'intervention des infirmières. Elle est attachée au lit à une nouvelle fois, essayée de se suicider par suffocation. Prescription d'une lobotomie transorbitale. Le marteau de la lobotomie est là, tabarnak. Tu me fais des papiers, Kappa? Ah, c'est pieux, là. Tout est là. Trouver. Salut, Moucha Dani, excuse-moi. Oh, mille pour finir. Pourquoi? Est-ce quelque chose que j'ai mal compris? On va passer là-dedans. Concours. Je peux pas aller par là. Oh! T'as déjà joué à ce jeu-là, toi? Chris, as-tu joué à tous les jeux, toi? Je pourrais te retourner la question. Je trouve que je joue à beaucoup de jeux random, puis à chaque fois que je joue à un jeu random, si j'y ai joué, j'ai comme tabarouette. Je suis pas le seul random comme ça. Il y a un autre random, il s'appelle Mouche. Hey, il fait longtemps que j'ai pas été sur le stream de Papa Joue. Il joue-tu encore? Tu l'as-tu vu dernièrement? Red Sit, ça. Ah, c'est là. Ah ouais. Mais il y a plusieurs fins dans ce jeu-là, je sais pas si tu le savais. Là. Ou en tout cas, peut-être c'est des fois des jeux. Mais toi, t'es surtout de jour. Et lui, la soirée. Ouais, mais moi, je suis dessus, je suis plus zéro. Hey, je pense que je suis pas à bonne place. Je pense que je suis revenu où que j'étais. Je suis pas à bonne place en tout.
Non, c'est là que j'arrivais tantôt, ça. La porte s'est ouverte, puis je m'en étais par là. Je me suis trompé, ça c'était le début. Si je clique là-dessus. Oh, il y a une porte là par exemple, ça je l'avais pas vu. Non, c'est là que j'arrive. C'est là que j'arrive. Je suis mêlé, là. Non, c'est là que j'arrive, ça. Ça veut-tu dire qu'il faut que j'en... Ah non, c'est par là qu'il faut que je vais. C'est par là qu'il faut que je vais, mais je tourne à gauche. Où j'étais tantôt, je pense que j'étais à la bonne... Peut-être à la bonne place. Tantôt, j'arrivais d'être là. Je peux pas aller par là. Je peux aller par ici. On dirait que c'est là que je suis arrivé tantôt, ça. Parce que tantôt, j'ai vu ça. Non, c'est là que j'arrivais tantôt. Une échelle dans le fond. Ah, c'est que je suis mêlé. Après l'affaire dans le lit. Il me semble que c'est là que j'arrivais, l'affaire dans le lit. Alors, c'est par là que j'arrivais. La porte qui est là, c'est de là que j'arrivais. Je suis sûr que c'est de là que j'arrivais. La femme pendue, c'est là que je l'ai vue tantôt. Ça, c'est là que j'arrivais. Elle est là, la femme pendue. Là. Elle est là, regarde. Hey, allô, chummy. Elle est pas pendue. La porte est formée parce que j'arrive de là. Là, j'ai venu ici, puis là, c'est là qu'on va trouver le pieu. Il y a ça. Ça, j'ai venu ici déjà. Ah, mais j'ai déjà été là. J'arrive de là. J'étais là-bas aussi. Et là, j'ai sorti dehors. J'ai arrivé ici, puis là, t'es là-bas. Là. Mais là, je comprends pas pourquoi, quand tu vas par là, c'est la même chose, parce que... Je peux aller par là. Je vais par là. Je pense que je vais tourner à gauche ici. Après la femme, elle se vient. Mais j'y ai été tantôt parce que la femme, elle se vient. Ça rien de... C'est là que j'arrivais. Pas est là. Et un escalier. On va là après. Ça, on a vu ça tantôt. Mais c'était avant la femme avec la civière. C'est pour ça que je suis mêlé tout de suite.
pas aller par là. Est-ce que je peux tourner ici? Je pense que c'est ici. C'est ici. Ça, c'est nouveau. Le bruit vient de commencer. Ben, peut-être pas, je sais plus. Oh yes! Qu'est-ce qu'elle va y faire? C'est que c'est pas dans, c'est pas tout le temps dans le même ordre, je me suis aperçu à un moment donné. C'est pas un jeu chronologique à certaines choses, il y a plus... Ok, il continue à jouer. Oh, ça c'était pas là, ça. Ouais, là. Ça, c'est moi qui l'attendais tout à l'heure. Rien faire. Tiens, il arrête. Selon moi, c'est pas là, faut que je vois. Moi, j'ai un pressentiment, c'est là. Ben, mon pressentiment était de la merde. C'est pas là. Je suis curieux de voir ce qu'il y a là. Mais là, tout de suite, là, genre, viens sur mes pas du... J'espère qu'elle se met à parler bientôt, là, parce que là... Là, c'est bloqué, ok. Ça serait dans le milieu ici. Non plus. C'est là que j'ai apparu. Bon, oh! C'est là que j'arrivais de début, là, je sais plus aller. Continue, tu veux dire... Retourne... Mais là, je suis trop loin. Faut que je retourne sur mes pas. Ben, je n'ai trouvé... Il y avait un au début, puis un deuxième, là. Il y en a un qui vient se starter, là. Ah, mais il se passe rien non plus. Ah, lui, tiens. Il n'y a rien par ici. On avance. Tout vient d'arrêter. Non, pas tout.
Ça, j'ai tout fait ça déjà. Et ça, tu as rien. Ah, mais ça, j'ai pas fait ça pendant ça. Sauf pas, là. Ouais, c'est cool, mais. Ça aurait été cool qu'il aurait fait un bon jeu aussi. Et mais là, en tabarnak. Chronologie du jeu est pas. C'était pas leur but. Ok, faut que je fouille sur internet parce que là je trouve rien. Il en reste pas beaucoup, beaucoup, mais trop. Là, on est fourré, ça marche plus, là. J'ai mis là tout à l'heure. Ça, c'est là qu'on est arrivé au début, là. J'ai déjà checké ces deux folles, ces deux femmes-là. Ça, c'est sa mère. On arrive de là. On arrive de la porte-ci, en fait, d'elle. Le film à trouver. On va faire le tour 7 vite fait là, puis on va retourner dans la bâtisse à gauche. Okay. Avant d'aller là, je viens voir si on n'a pas rien oublié ce bâtisse. Bon, y a rien. Bon. Tout ça, y a rien, certes. Quelque chose que j'ai pas vu.
Knowledge. A basic. Une porte. Non. Si c'est pas là, je sais pas c'est où, parce que là... Là, je m'en vais mêler, là. Je peux pas aller par là. Pareil. Y'a rien ici. Y'a encore cette vidéo-là qui sort, là. Y'a-tu quelque chose que j'ai oublié dans ce bout de site? Y'en a deux qui sortent, là. Je me demande si je pogne ça. Hello cam. Elle est déjà activée et puis elle est plus activée. Les deux arrêtés. Hein. On se rend jusqu'au bout pour en revenir. Je ne comprends rien. Ok, ouais. Ça, c'est l'endroit où j'arrive. L'autre bord, c'est là que j'arrive. C'est ça. J'arrive, j'appuie sur ce papier-là. On va par ici. Là? Mais non. Pourquoi ça start?
quoi un papier ici dedans? Fuck all. Ah non, je pense que c'est un endroit ça. C'est fuck all. Tout allait bien. Soit j'ai bugué le jeu, soit mon cerveau est bugué, c'est un des deux. Alors, logiquement, j'arrive de par là. Et je m'en allais par là. Et là, il n'y a rien en tout. Hostie. Bon. On va voir ce qu'on peut trouver. Bon, il est rendu au jardin si j'étais. Je pense que ça qui s'apporte. Il s'en va là. Mais ça, je l'ai déjà fait, ça. Voilà. Ça marche pas.
Il y a quelque chose qui est bogué. C'est là-dedans. C'est là-dedans que ça se passe. C'est dedans. La musique a changé, tiens! Maudit, fais-je cliquer dessus, fais-je cliquer sur le lit! La pratique de la lobotomie est rapidement propagée aux Italiens par rapport aux autres pays européens et américains. La technique originale de l'Union européenne, Moniz, a été perfectionnée en 1937 par la Flambertie qui a conçu la première forme de lobotomie. L'opération consistait à accéder aux lobes frontaux en perçant l'os orbital au-dessus des paupières afin d'endommager un tissu cérébral grâce à une injection d'alcool ou de formaldéhyde ou bien par l'utilisation d'un instrument spécial. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les patients ne conservaient pas toujours des séquelles après l'opération, bien que ce fût souvent le cas. Moniz fut récompensé du prix Nobel de la médecine en 1949. Cette pratique tomba progressivement en désuet et a découvert la blablabla en 1951. Ben, ça disait pas de cliquer sur le lit, tabarnak! Il n'y avait pas d'endroit, ça dit pas clique sur le lit. Moi, je sais que ça parlait de lobotomie, moi j'ai cliqué sur. Les cônes changent. Peut-être. J'ai assez cliqué sur les outils. Je suis content que j'ai payé 3 piastres ce jeu-là, tabarouette. René? 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 René. Ah, tabarnak, je vais pas voir ça. Je le regarde, mais je le regarde sur l'ordinateur. Ah, c'est-tu de ciboire? Steve, tu me fais vomir, tabac. 10th of June, 1944. Opération successful. Patient calme. Patient tranquil and collaborative. Collaboratif, ben oui. Question de la rendre légume, tabarnak. Efficience de la capacité de coordination motrice, mais en progrès. Transfer to the tranquil department dans le pavillon calme, aux soins du docteur B. 25 octobre. Continue de parler d'Amara et de sa poupée Charlotte. Les troubles de ses fonctions motrices présentent de légers signes d'amélioration. Difficulté à marcher, incapacité d'écrire. Les infirmières rapportent qu'elles doivent l'aider à s'habiller, se laver, se nourrir. Les gardes indiquent cependant qu'ils peuvent la fourrer comme ils veulent, mais elle ne dit rien. Durant l'été de 1944, elle fut transférée à nouveau à mon service. Peu consciente, empathée, ne parlant quasiment jamais. Un jour, elle a dit, « Quand je trouve le courage de me regarder dans le miroir, je vois un jeune visage qui a vieilli et qui m'observe avec terreur. »
She's a woman c'est une femme profondément différente de la fillette que j'étais il y a quelques années. Tu l'as rendue mongole, Esti. Seule la tristesse dans son regard et son intelligence sont restées inchangées. She's so young. Elle est si jeune, à peine 23 ans, et désormais privée de sa vitalité. Tabarnak. Imagine-toi comment ses gardes-là s'amusent avec elle. Peut-être son état va s'améliorer, probablement pas. Sa vie a été déchirée. À cette heure, elle est là, elle est fourchée, puis les gardes s'amusent à varger là-dedans. Personne n'a essayé de faire quelque chose pour l'éviter. Violée jour après jour, elle réalise même pas. Qui a décidé le premier a dit je vais prendre un pieu puis je vais péter ça en dessous de l'œil puis on va péter ça en dessous. The town of light. Un 71e jeu terminé sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! En 2022. T'es encore là, mon mouche. Mouche d'Anidash. On va
Après ça, je vais aller faire un petit pipi, puis je vais te montrer les jeux que j'ai achetés dernièrement, puis ça, puis un jeu sur Xbox Game Pass. Je pense que tu les connais. Je vais vider ma vessie, par exemple. Un 71e générique en 2022. De la chaîne du Calibou canadien. Oh yeah! Merci à la commune de Divoltera. Merci d'avoir joué. LKA Hit, un jeu de Royal Production. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. The Town of Life sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!